Ok, on est reparti. Alors, coup critique, résistance aux dégâts, attaque et régénération. C'est parti. Donc, j'ai ressorti l'armure de la fourmi noire parce que ça fait du critique. Ça augmente les critiques, ça fait du critique. Ça redonne de l'endurance quand on fait des critiques. Donc voilà, ça peut être peut-être mieux. Donc ouais. Et j'ai fait quelques murs en plus. J'ai pris 90 90 trucs là. Bloc. Non, il y a là. J'aime bien parce qu'il nous montre des endroits, c'est pas là du tout en fait. Comme je crois. Genre ça a changé? Ah mais ils ont différents. Genre en fait ça dépend du temps. Et on a différents, je sais pas, setup de. Ah putain, arrête d'esquiver, bordel. Il y a le machin qui vole là. Luciole. Qui est bloqué quelque part. Je vais pas la toucher honnêtement. Je vais pas la toucher du tout. Big bug inbound. Ah bah elle est là. Plein dans ma gueule, c'est bien. Ah. Oh mon dieu de merde, mon dieu de merde. Je... Assez, hein? Oh, qu'est-ce que c'est horrible ces trucs. Oh, j'ai envie de casser un truc. De les faire en mêlée, ces machins qui ralentissent et tout, ça rend fou. Honnêtement, pour les dégâts, je sais pas si c'est mieux ou moins bien. J'ai l'impression que faire plus de dégâts critiques c'est bien, mais est-ce que l'autre set vraiment baisser la défense des ennemis? J'en sais rien. Par contre, l'endurance du set, théorie, ça devrait augmenter ma régène de santé. Enfin, quand je pars, après, je pars pas énormément non plus. Faut avouer que ça le fait pas souvent. Ouais, on va y aller parce que là. En train de défoncer. Oh là là, oh là 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 là, sa mère, en sa grand-mère. J'ai pas d'endurance. Je vais te faire enculer, mais bien. Je vais te faire bien mettre. Ah la vache, la boule là. Thank you.
cher celui-là. Ça tape. Bien, casse mes murs, casse mes murs avec tes boules de merde. Honnêtement, si c'est pour foutre de la merde, faire de la merde comme ça, genre m'aide pas quoi. C'est fou ça. Oh mon dieu, oh la vache, oh la vache, oh la prise de tête. Large orc incoming! Acariens. Trop bien de faire ça la nuit. Ok. They're ganging up on the point. Knock them off. Big bug inbound. A wave of insects is incoming. Mon dieu, je suis tout bloqué de tous les côtés, l'autre qui me met sa boule de merde quoi. Ça parce que taper à 3 à l'heure c'est pas trop mon kiff. Ça c'est un bon critique. Ok, ça, le A a l'air d'être ok. Non, je crois que là, ça prend toujours des dégâts. Ouais. Non, on va perdre ça, hein. Ah, nique ta mère. C'est reparti, quoi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Passe vraiment un bon moment dans ce putain d'événement de merde. D'être tout le temps à 50 endroits à la fois, c'est bien. J'ai l'impression que j'avais plus de succès avec l'autre armure, mais enfin, j'en sais rien, en fait. J'en sais strictement rien. Time for the Max Daddy to shine. Ce
C'est reparti. Arrivez-nous cette fois. On n'a pas le même setup de créature en fait. Bon, faut peut-être que je mette hyper activité aussi pour l'endurance. Je passerai un. Ah, casse-toi! Truc de pas savoir où ils viennent. Oh la vache! Putain, on passe vraiment un bon moment là en ce moment. Sur cet événement, c'est vraiment cool, ça me fait vraiment plaisir. J'ai l'impression que toutes mes mutations servent strictement à rien du tout. C'est vraiment cool, ça fait vraiment plaisir. J'ai vraiment l'impression que ça sert à rien. Rub time. Time for the Max Daddy to shine. I could devour a Billy Hog right about now. Après, je pourrais faire encore plus de défense, mais la dernière fois on y est arrivé, il restait genre même pas une seconde quoi, et on a perdu. C'est triste. Donc on n'a pas besoin de faire plus de défense, on a juste besoin d'un peu de chance, parce que c'est, y a beaucoup d'aléatoires avec les insectes. Honnêtement, il faudrait peut-être que je mette en raccourci les chaussons là. Maintenant que j'y pense.
Les chaussons et mon armure de... Oh là là, putain, mais la truc qui défonce tout, quoi. Défense qui sert à rien du tout, quoi. Mais alors va bien te faire. J'arrive même pas à faire quoi que ce soit, c'est horrible. Non, mon dieu, mais je me fais. Mais je suis une putain de victime, c'est ouf quoi. Tape le putain de mur. Faudrait que je pense à essayer de plus parer en fait souvent pour bénéficier du buff en fait des coups critiques quand je pars. Ah, de pas savoir où ils viennent, c'est une catastrophe ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Okay.
looks good from here. Non, non, c'est pas... Non, 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 ça a pas l'air... Évidemment. J'aurais pu utiliser l'apparat pour me buffer en crit, mais il fallait que l'autre il le touche. Vraiment le faire tomber, Wellen, Waden, Web. Bah. Putain, je me débrouille moi. Le B il prend cher. Ok. Putain, arrête de me pousser, bordel de... Je vais me faire tuer par Wendell. C'est pas mal, là, comme ça. C'est... Ok, c'est juste des petits. Allez, on s'en fout, on va au B. Go Wendell, go Wendell. Tire des balles, tire des balles. Merde, pas sur moi les balles. Oh la vache. I think we've done it. Though the situation did seem rather precarious for a moment there. Wonderful work though. You would make an excellent lab assistant when you're a little older, of course. Now,
We just need to grab the embiggening cell before the orcs return. How do you like that, Director Spectre? Bah, je sais pas, il est mort. Ok, on va prendre, on va looter un peu parce que honnêtement, on mérite. Ah, j'aurais bien voulu un peu looter quelque chose. J'espère que les trucs qui disparaissent au bout d'un moment. Bon, on a eu une corne, c'est pas mal. Deux cornes. Ouais, c'est pas mal. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Ah, les buffs, hein, des potions, hein, ça fait la différence, honnêtement. Tu le vois vite, hein, les dégâts et tout ça. C'est vraiment pratique, je suis content de les avoir fait, tout ça. Oh, ha! That's interesting! Bah, que dire, honnêtement, si vous voulez passez plus de temps, honnêtement, faites plus de défense et tout ça. Faites pas comme moi qui essaye de rusher. Enfin, c'est pas vraiment du rush, mais j'ai vraiment pas envie de passer du temps à faire des défenses qui vont servir une fois pour un combat. Et si vous avez vraiment des problèmes, oui, faites plus de défense. Faites plein de petits murs, en fait, comme ce que j'ai fait, avec des briques. Cellule d'agrandissement remplie. Excellent. Cell integrity appears nominal. You might be the best assistant I've ever had, but don't tell Virgil that. He's Hi, just looking for an excuse to use that grilling function. Anyway, back to the spacer. Maybe we can get you home before dinner. C'est une agrandissement rempli. Mais ouais, plein de... En briques, c'est très facile de faire des briques de champignons. Faites pas du béton, sinon vous faites chier pour rien. Hein. Mais des briques, et plein de murs, genre dans les montées et tout ça, là. Ça aide. Il y a plein de briques qu'on pourrait récupérer en fait. Après, comme j'ai dit, c'est simple à faire, donc c'est pas très grave. Mais ouais. Après, à plusieurs. Il y a parce qu'il y a 3 ou 4 chemins. Je crois. Où ils arrivent en fait. 3 ou 4 chemins. Donc à la limite, si vous faites à plusieurs, chacun couvre son chemin. Tranquille, ça devrait le faire. Après, il y a le coup des... Dans un sens, j'aurais bien voulu tester, mais ça demande de la préparation et... votre équipement doit être réglé pour. C'est faire des flèches là, de gaz puantes là. Faire des flèches de gaz puantes et vous tirez ça et alors honnêtement alors il y a deux écoles où ça va faire très peu de dégâts avec le dot ou alors ça fait beaucoup de dégâts mais bon les trucs ils ont beaucoup de vie donc ils vont pas crever instantanément et du coup ça servira à rien plus ou moins ou alors deux ça serait que tous les monstres en fait vont vous aggro du coup parce que vous faites des dégâts d'AOE puis il y a une wolf qui se balade. Et ils vont venir sur vous. Et du coup, bah, ça protège les... les spacers, là, les trucs là, qu'il faut protéger. Ça peut fonctionner comme ça. Je suis pas complètement certain maintenant. Mais bon. Alors, on va reposer ça. Très bien. On va reprendre ces potions là. Je
pense que du coup là c'est la fin du jeu. On va sûrement avoir une cinématique et tout ça. Je veux pas. Attendez. Ah oui, c'est ça que je voulais changer. On va prendre des flèches juste au cas où. Très bien. Ah, elle a pris cher la hache, hein. Moitié. Il est quelle heure? Ah, on peut dormir à la limite. Je vais sauvegarder, je vais voir si ça va pas foutre la merde. Je sauvegarde d'abord. On dort, comme ça il fait jour. Et après, on finit le jeu, je pense. Et après, on fait tout. Je sais pas si. On... Ouais, comme j'ai dit, je sais pas si on va pouvoir continuer à jouer. Ou alors il faut prendre la sauvegarde avant de finir. S'il faut prendre la sauvegarde avant de finir, c'est un peu con parce que du coup, en fait, il faudrait faire. Il faudrait jouer avant. Il faudrait continuer à jouer avant de sauver le professeur. Comme ça, il arrête de vous suivre déjà. Enfin, il est plus là. Et comme ça, vous n'avez pas les ORC, quoi. Enfin, quoi qu'après, on peut pas combattre le directeur. Non, c'est bien comme ça au final. C'est bien. Installer la nouvelle cellule d'agression dans le spacer. Donc, le spacer entre chez vous. C'est parti. C'est parti. Target. Activate. Allez, fais voir un peu ce qui se passe. J'étais pas vraiment au milieu, mais est-ce que ça marche? Oui, sûrement. Plusieurs mois plus tard. And with a flash, that was the end of the tiny adventure of a lifetime. At least that's what the local papers called it. It's hard to believe how much has happened since then. There were reporters, investigators, even the FBI got involved. They tried to keep a lid on all of it, but the whole story came out about the kidnappings, about the dead teenagers, about Armin. Turns out, everyone did learn the name of Director Dalton Schmechter, just like he always wanted. But when the dust settled, the weirdest thing happened. People learned the truth about the shrinking technology and about me. It felt good to get the recognition that I had always wanted for all my life. Pete, Willow, Max, and Hoose tried to go back to being normal teenagers. Burgle has joined the kids' new science and robotics club. He's the mascot, if you didn't tell him. I'm expecting big things from all of them. Life's getting back to normal around here. It's funny that the world can still seem so small. And no, I haven't come up with my next big invention. And I don't mind one bit either. Because when it comes down to it, all that really matters is that we make the most of the time that we have together. Yay! Temps dans le jardin, 234 jours. Un peu beaucoup quand même. Unbelievable! Score de l'adolescence, 54 points. C'est eh ben putain. Mort 17 fois. Ah ouais, quand même. Ah, parce qu'à chaque fois, j'ai jamais vraiment rechargé, en fait, le jeu. J'ai commencé à recharger le jeu pour... c'était quoi? C'était la dernière zone avec la veuve noire. Là, c'est là où j'ai commencé à recharger le jeu, je crois bien. Et après, le boss... le directeur... Et là, la défense. Mais après, à chaque fois, quand je mourais, je courais pour récupérer le sag et tout ça. Bah, c'est nul. Indice de score bonus. Vainqué la couveuse. C'est
C'est un résultat de merde. Mais bon, c'est parce qu'on a pas... On a pas tout fini, donc je sais pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Grounded. Obsidian. Ils ont fait un très très bon boulot, mais encore une fois, je suis très très frustré par le Pathfinder, hein, comme on dit. Hein. Ouais, non, 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 c'est bon. C'est marrant la musique. Genre, vous avez fini la campagne et tout ça. Je suis très frustré par le Pathfinder des monstres, en fait, honnêtement. Très, très frustrant, des fois. Du coup. Du coup, on gagne rien du tout. Je vais revenir au menu principal après. Je vais faire genre nouvelle partie et tout ça. Donc en gros, en fait, il n'y a pas de continuation en fait après la fin. Quoi. Ah, ça c'est bête. Ça. Du coup, on est obligé de. It's time to go home. For all of us. For the first time in a long while, I have a good feeling about the future, and it's all because of you. We'd better get you back to your families. I suspect they are worried sick about you. Perhaps they are worried about me still, but I know that I put them through a lot. I only hope that they know how much I love them. But there's no sense in being so glum. I haven't quite yet reached the end of my road, though there may not be much track left to lay. Now look, all this sad talk has me mixing my metaphors. Don't worry about me. Whatever will be, will be. Thank you for everything that you've done. I'll never forget it. Okay. Ah, il appelle le robot, Berg. Burgle. After our call, would you be interested in taking a short survey on the quality of my service today? For the last time, Burgle, no! I do not want any more of these confounded follow-up surveys. The answer is adequate. Always adequate. Adequate? Now, listen to me. This is your manager speaking. We're about to fire up the spacer. I need you to keep an eye on the raw science convergence coupling. The last thing we need is an overload spike. Wait, you are leaving? Have you been dissatisfied with my service? Don't worry. I'll come back for you when things calm down in the real world. But it may be a while. Affirmative, Dr. Tully. I will stay behind. But I need you to keep an eye on things down here while I'm gone. Regional Science Manager Burgle? Regional Science Manager? But Dr. Tully, does that mean we will be franchising? Burgle, this is a big responsibility. In recognition of your work ethic and commitment to outstanding customer service. Really? My circuits are sizzling, Dr. Tully. Have no fear. Regional Manager of Burble will not let you down. This is it, my young friend. When you get home, do me a favor. Don't grow up too fast, will you? Embrasser, rouler les yeux. Oui. Okay then. Would you do the honors of flipping the switch? For science! Qu'est-ce qu'on a d'autre encore des questions. What do you need to know? Est-ce que ça va aller? Thank you for your concern, but I don't deserve it after all you've suffered on my account. Don't worry about me. Whatever will be, will be. I understand.
thank you for everything that you've done. I'll never forget it. Here. Non, mon Dieu, t'es sérieux? Listen to me. Pardon. Are you ready to get out of here? Okay then. What's up? Pardon. Are you ready to get out? I understand. Ça marche. Si, si on s'éloigne de lui. Ah, du coup, il... Attends, Wendell, si tu nous suis, tu vas pas me dire que tu vas fredonner tout le long? Non, c'est bon. Ok, très bien. Donc on peut rester en jeu comme ça, avec les lasers allumés à la limite. Et la mission, du coup... Faire le grand saut ou ne rien faire du tout. Activer spacer pour rentrer chez vous. Ça marche. Annuler les réglages. Ok. Oh, ha! That's interesting. Ouais, ça marche. Wendell. Restez ici. Perhaps we should try an alternative course of action. Très bien. Donc on est bon. On peut rester comme ça. On va sauvegarder. On peut rester comme ça. Ça m'embête un peu à chaque fois quand t'as les jeux qui font pas de suite. On va regarder le menu principal. Genre qui continue pas après avoir fini le jeu. Parce que j'ai, dans un sens, j'ai plus envie de jouer. Parce qu'on a vraiment fini le jeu. Mais quand on finit l'histoire principale, mais qu'on peut continuer, que le jeu vous dise... Vous dites... genre vous pouvez continuer, ou vous rétrécissez encore, enfin un truc comme ça. C'est plus intéressant pour moi parce que je me dis tiens, ça me pousse en fait à récupérer les choses qui me manquent. Mais quand il y a vraiment une fin et qu'on est obligé juste de garder d'utiliser la sauvegarde juste avant de finir le jeu, je trouve ça un peu nul. Je vais juste regarder s'il y a pas créatif avec les insectes personnalisés. Hey, nice to meet you. Genre on gagne rien de spécial. What's the worst? Yep, that's my name. Ouais, non, on gagne rien de spécial. Ils auraient pu, à la limite, donner une mutation. Je suis un peu déçu par rapport à ça. Ils auraient pu, à la limite, donner une mutation, en fait, quand on finit le jeu. Ça aurait été cool. Bon, enfin, c'est pas grave, mais... Ah, il y avait des façons de rendre le jeu plus cool quand même. Mais là, on en a pas. Faut que je regarde comment on récupère les autres. En tout cas, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Moi, je vais un peu moins jouer au jeu parce que j'ai beaucoup trop joué. Mais on a encore des trucs qu'on n'a pas découvert. Hein. Encore des choses qu'on n'a pas découvert. C'est con parce qu'on avait la carte en or de la... Pour mieux de feu ouvrière, bah du coup maintenant on l'a plus. Parce qu'on l'avait à des moments là quand on refaisait le combat. Mais maintenant on l'a plus. Mais ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a encore trois choses à tuer. Il y a encore trois choses à découvrir. Donc il y a encore, je sais pas, des monstres, des boss. À faire, des choses à débloquer. J'ai vu vite fait qu'il y a des sets d'armure encore, donc il y a encore des choses que on connaît pas et qu'on devrait faire. Donc ouais, c'est à découvrir sur la map. Il y a aussi un coffre, là il y avait le coffre par exemple, qu'on n'a pas fait. Il y a sous la maison, vous rappelez l'entrée là. De l'entrée sous le cabanon là. On n'a pas fait la zone en fait. On a tracé pour aller à la fin, pour trouver Wendell et combattre Foreman et tout ça. Mais on n'a pas tout fait. Donc on pourrait revenir là-bas aussi et aller combattre et faire un peu le tour. C'est pas la joie là-bas, mais c'est pas mal. Ouais.
Je sais toujours pas quelle armure utiliser. Ça me rend fou. Ah oui, et on avait aussi trouvé un endroit où on devait mettre un truc pour utiliser un objet pour un boss. C'était dans la haie, apparemment. Où il faut créer un objet et utiliser pour faire apparaître un boss, apparemment. Yay, fun. Fun sur 20. Mais ouais. Bon, on va s'arrêter là. Moi, je vais un peu jouer de mon côté, faire de la farm, avancer, augmenter mes armes. Je sais pas quoi faire d'autre. Me débrouiller. Pourquoi il est... Qu'est-ce qu'il fait, là? I concur. Donc ouais. Faire des trucs. Et après, je ferai sûrement d'autres vidéos quand j'aurai des nouveautés, genre si on a un boss à faire, si on a de la nouvelle exploration et tout ça, genre un lieu que je connais pas et tout. Mais je pense que les prochaines vidéos, ça va déjà être sous le cabanon, pour voir un peu ce qu'il y a et tout ça. Parce que je suis assez curieux quand même de voir ce qu'il y a. Donc ouais, on va s'arrêter là, je suis assez content, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'il est chiant, lui. Et ouais. C'était Grounded. Très bon jeu, mais encore une fois, un peu embêté par le Pathfinder, quoi. Hein? Comme lui, par exemple. Je l'ai déplacé exprès, parce que là, il était bloqué, ce con. Je l'ai déplacé exprès ici pour pas qu'il soit bloqué. Il peut pas juste voler un peu partout, genre... What's on your mind? Aïe. Ah, ça y est. Bref. À la prochaine, portez-vous bien, ciao.